Salut! Salut, comment vas-tu? Ça va super bien et toi, ça va? Bon, ouais, ça va. Dieu merci. Est-ce que tu connais Rose avec le profil, avec des choses vertes sur son profil? Je connais quoi? Rose, une personne qui s'appelle Rose. Rose. Bon, il y a beaucoup de roses et je ne vois pas trop. Cette rose, elle est toujours là même. Elle est toujours là. C'est elle qui va te chercher. C'est elle qui revient, me dit que tu vas venir. C'est elle qui fait tout. Ah bon, hein? Ouais. Peut-être Tu que je n'ai pas fait la remarque. Salut, Rose, tata jouais avec qui? Rosemary. J'étais là jouer avec un de mes camarades français. Français? Ouais. Hey, dis bon, ton thé est propre aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Dis-moi. il se trouve que hier, je suis parti faire des choses dans mon visage et tout. Ah, dis mon gauche chic, hey. J'adore, c'est bien, il faut ça Je aussi me pour suis le fait corps. beau pour toi. Pour moi? Comment ça pour moi? Quoi? Comment ça tu te fais beau pour moi? Je comprends pas. Dis-moi. Ouais, je voulais pas Non. montrer mon live. Étant. Moi aussi, je comprends bien. C'est à cause de moi que je te fais tout beau. Ouh! Oh, j'adore. 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 Aïe, 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 aïe. Tu disais quoi avec tes fans là-bas? En fait, j'étais là à les expliquer comment je suis belle. Et puis, on me dit. Ouh! Ouais, ça m'arrive d'expliquer comment je suis belle. J'expliquais ça aux gens. Peux-tu m'expliquer aussi? Tu veux que je t'explique comment je suis belle? Je veux dire, je sais, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche aussi, un peu. Dimango veut savoir comment je suis belle. Ok. Attends, je vais t'expliquer. Au fait, je suis tellement belle que, c'est-à-dire, quand tu me vois, tu ne peux pas me dépasser. C'est impossible, non? Je suis tellement belle que j'ai pas besoin d'une perruque pour montrer, pour valoriser ma beauté. Je suis tellement belle que quand tu entends Mehdi, tu veux te tourner pour regarder, mais qui parle? Qui est cette femme qui parle, c'est qui? Je suis tellement belle que quand tu me vois en face, tu as envie de bondir sur moi et me bisouter. Je suis tellement belle que ma beauté passe des montagnes. Je suis tellement belle que j'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis belle parce que, en vrai, quand quelqu'un me voit par son comportement, il montre que je suis trop belle. Je suis tellement belle que quand je m'arrête, tout le monde me dit, ben, c'est qui cette femme? Regarde sa forme. Je suis tellement belle que quand je marche avec rassurance. Parce que quand je marche, c'est moi la plus belle femme. Que tu sois député, général, maire, président, c'est impossible que tu me regardes marcher avec les talons bien sexy et tu ne gardes pas. C'est impossible. Je suis désolée, c'est impossible. Je suis tellement belle que quand je m'habille pour sortir, par mon habillement, tu sais que celle-là, c'est une femme de valeur. Je suis tellement belle que quand tu regardes ma bouche, tu as envie de me faire des bisous partout parce que je n'ai pas besoin de produits. Mes lèvres sont déjà une rose naturellement. Dibango, je suis tellement belle que si tu me vois en vrai, oh, Dibango,
Mais qui t'a dit qui t'a dit que quand je te vois, j'avais envie de te bisouter? Attends. Non, si je comprends bien. Quand tu me vois, tu as envie de me bisouter. Encore. J'ai dit ça, je n'ai dit plus rien. Non mais écoute, mais qui t'a dit ça? Tu as carrément dit une vérité sur moi. Je ne t'ai jamais dit ça. Est-ce que tu lis dans ma tête? Non, bon, j'ai dit ça comme ça, hein. Alors comment t'as su? Je suis pas de la manière que tu me regardais, tu visais tout droit Ah ma bouche. ouais. Tu visais tout droit ma bouche. Tout dans ma bouche. Parce que j'ai dit à tout le monde que je leur prépare une surprise. Et tout le monde dit, Samela, c'est quelle surprise, Samela? Tu prépares quoi? J'ai dit que toutes les personnes qui veulent savoir ce que je vous prépare, en tout cas, c'est une grande surprise. Quand vous-même, vous allez voir, là, mais vous serez dépassés. Tout le monde me dit, Samela, c'est quoi? C'est quoi? Dis-nous. J'ai dit, si vous voulez que je vous dise, là, mettez-moi oui en commentaire. Oui en commentaire. Tout le monde a commencé à mettre mieux en commentaire. Je vous dis calme, calme, je vais vous expliquer. En fait, ce que je Moi vous. aussi, j'aimerais savoir, c'est quoi cette surprise, même? Cette surprise-là. Tout le monde parle, parle, parle. Et puis, j'ai fait comme ça. En fait, je ne voulais pas vous dire, mais. Coupe pas live, on coupe pas sans balai, il faut commenter, coupe pas live. Comme vous êtes ma communauté, je vais vous dire. Et puis, tout le monde est là. Je vous dis, Ouais, c'est quoi? au fait, je suis la plus belle femme de toute l'Afrique, de toute la. J'ai voulu dire quelque chose. J'ai dit, je suis la plus belle femme du monde. Que tellement que je suis belle, je vais commencer à parler. Je suis trop belle. J'ai pas besoin d'une peau blanche. Ma peau, elle est noire. Même en noir, je suis belle. En natu belle. Naturellement, je suis belle. Imagine un peu, Divango. Divango, imagine un peu. Samela porte une vraie perruque. Divango, regarde mon naturel. Une belle perruque. Bien bouclé. Un make-up de ce bâtard, dit Mango. Oh. Quand est-ce que tu vas arrêter de me provoquer un peu? Tu Ah, mais je te provoque pas, je dis la vérité. dis la vérité, mais Pourquoi? Ah, c'est trop génial. À part ça, tu faisais quoi, toi? Tu m'as réveillé. J'étais en train de rêver de toi et puis tu m'as appelé. C'est fou. Ouais. Tu faisais quel rêve, dis-moi? Ben, je rêvais de toi. Et puis tu m'as Explique-moi. appelé. Tu as gâché mon rêve même. Pourquoi tu m'as appelé cette année là? Pourquoi? Ah, c'était au moment où tu venais Oh mon Dieu, dans ce rêve, me. Samuel, à côté était au moment. Aïe, aïe, aïe. C'était au moment là que tu t'es appelé. Tu as gâché ma journée entière, Samuel. Pourquoi tu m'as réveillé au milieu de mon rêve? La partie que j'attendais avec force, même. Et j'ai cru que tu étais là pour de vrai. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé. On Dieu, dirait que tu dis-moi. savais ce qui allait se passer, et puis tu m'as réveillé pour ne pas que ça se passe. Je savais, mais il faut nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve.
Bah, tu savais, c'est pour ça que tu m'as appelé. Et puis tu m'as réveillé même. Tu savais ce qui allait se passer. Pour m'expliquer, ça a commencé par quoi ton rêve? S'il te plaît. Bah, t'as vraiment envie de savoir. Oui, j'ai vraiment envie de savoir. Et si tu te fâches contre moi après? Ne pas me fâcher, Paul. De toute façon, c'est un rêve. Mais moi j'ai cru que c'était pour de vrai. Quand je me suis réveillé, même, j'ai demandé à ma mère que quand est-ce que je suis revenu ici? Est-ce que j'étais vraiment ici à dormir ou est-ce que je suis revenu? J'ai cru que tu étais là pour de vrai, moi. Explique-moi, 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 explique-moi. Voilà, bah, il se trouve que j'ai vu que je t'avais rencontré dans une répétition de mannequin. Et puis on s'est vu là. Et puis on s'est vu. Mais attends, tu me stresses. T'écoute. On s'est vu là-bas, à cette répétition. Quand j'étais bisoué sur la joue, et puis. Quoi? C'est normal? Je t'écoute. Non, mais c'est normal. Pourquoi tu. Et puis, quand j'étais bisouée sur la joue, et puis tu étais très heureuse même. Et puis là, je t'ai dit que tu devais rencontrer un peu ma mère pour voir comment elle est et tout. Et puis voilà que tu as accepté. On est parti chez moi, tu as rencontré ma mère t'a adoré et tout. Mais pendant que tu étais chez moi, on allait partir. On allait partir quand. Il y avait une forte pluie, tu pouvais pas partir chez toi et il faisait déjà nuit. Je t'écoute. Ouais, et puis quand on allait partir là, il y avait une forte pluie, il y avait du vent et tout. Donc tu pouvais pas partir, il y avait la grêle qui tombait. Donc tu pouvais pas partir. Et puis là, tu as parlé à ma mère, puis ma mère a appelé ton père pour dire à ton père que. La manière dont ça se passe dehors, là, tu peux pas sortir parce que c'est dangereux. Et puis, ton père a accepté que tu dors chez ma mère pour que tu vois. Oui, je vois. Rien de mal ne t'arrive. Et puis, Et puis, la suite. bah, à la fin, ma mère t'a donné une chambre. Mais apparemment, ma mère ne voulait pas que tu dormes. Dans la première étage, donc tu étais en haut. On était dans la même étage. On n'était pas dans la même chambre. Tu avais ta chambre, oui, tu avais ta chambre. Et puis tu dormais, mais au milieu de la nuit, on disait on a dû crier. Et puis tu es parti chercher de l'aide. T'as pas crié trop fort, et puis tu es parti chercher de l'aide. Comme par hasard, tu es tombé dans ma chambre pour me demander de l'aide parce que tu as fait un très mauvais cauchemar. Je t'écoute, Y a les mots qui Dis-moi la suite. Et puis quand j'allais me réveiller sur mon lit pour aller allumer la lumière, tu t'étais déjà sauté sur moi, tu m'as embrassé, tu m'as dit que oh mon Dieu, Tibango, j'ai peur. Et puis je t'ai embrassé aussi, je t'ai dit ne t'inquiète pas, je suis là, j'ai mis ta tête ici. Et puis je t'ai réconforté et tout. Et puis. Et puis Et puis, tu sais qu'il faisait noir, non? Il faisait très, très noir. Donc, ta bouche est tombée sur ma bouche par accident. Par pur accident. vas-y, et puis.
Et vu qu'on s'est tombé par accident, j'ai pas envie de dire la suite. On en arrête là. Que je t'ai appelé. C'est par là. Non, j'ai cru que tu allais te fâcher quand ça s'est passé. J'ai cru que tu allais te fâcher. Non, on dirait que tu m'as rendu mon baiser. Et puis là, tu m'as carrément réveillé. Bien intéressant là. C'est là que tu m'as réveillé. Tu ne vas pas me réveiller, Samuel. Mais pourquoi t'as fait ça? Oh mon Dieu. Attends, mais c'est que dans tes rêves. C'est bon, c'est pas la réalité. Mais moi, je trouve que c'était vrai. Je voulais vivre ça, même si c'était dans un rêve. Ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. Nous voudrions vivre ça. Hein? Ah bon, hein? Non, mais c'était un rêve, mais au moment du rêve, je savais pas que c'était un rêve, donc j'allais profiter Attends, maintenant dans le rêve. même. J'allais Vivant. essayer de profiter le maximum. Parce qu'au moment du rêve, tu sais pas que c'est un rêve, donc. Je comprends. Oh mon Dieu, je crois que je ne vais plus pouvoir faire un rêve pareil. Tu m'as fait du mal aujourd'hui, Samila. Pardon. Pardon. Dans le rêve, tu me bisoutais. Non, tu peux Ah, arranger ça même. Tu peux arranger ça. Ce n'est rien. tu es mon gars! Ce n'est rien que tu ne puisses pas arranger. Oui. Quoi? Rien? Jaco? Rien? Dis-moi, on fait quelques parties. Match à gage. Action vérité. Ouais. Action vérité. Ok, t'as vu comme guys. Ce son, ah, il ne peut pas cliquer dessus. Voilà. Actuellement, tu es là, Dibongo. Je suis chez moi. Non, laisse-moi parler. Actuellement, où tu es là? Si on te pose une question et on te demande, la question que je t'ai reposée, je vais te reposer l'autre fois où tu ne m'as pas répondu. Si on te demande, le match Ne du parle foot. pas, ne pas parler des Si, gens. si, si. Oh, si! Pour le match officiel, si on te demande de jouer pour Bellefond, pour moi, tu vas jouer pour qui? Je vais pas parler des autres, Samuela. Dis bongo. Parlons pas des autres, évitons les querelles. Dis bongo. Tu me réponds pas, tu fais tête en bas pour l'olé. Samila, Écoute. évitons les querelles, ma belle. Bon, fais tête dans ma boule en l'air. Faut pas si fais tête dans ma boule en l'air. Alors, tu vas me mettre vraiment comme ça, Samila? Pourquoi tu ne veux pas faire répondre à Alors, ma si je te question? gagne, tu fais ça aussi. Hein? Moi, je sais pas faire ça. Alors, pourquoi tu me fais ça? Dis bongo, tu t'as donné gage. Tu fais ou bien tu fais pas? Samuela, je t'en supplie, évitons les querelles. Parlons pas de ça. Dibango. Donne-moi autre chose. Dibango. Va te mon Alors, tu veux que je sois tête à tête dans les rails? Oui. Après fois deux, je fais ça. Chaque fait gagner, c'est fait, c'est fait gagner. Vas-y, on y va. 1 € chacun. Attends, je vais enlever le. On voit pas bien, on voit pas bien. T'as vu que nous... Je Voit pas bien du sais pas bongo. ce genre de gage même. Eh, c'est mon gage.
Faut bien soulever le pied là. Du moment où est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit I'm live. Stop it for your sugar, guys. I'm live, I said you want. What? I'm live, I said you want. Ça veut dire que je suis en live. I am live. Faut bien soulever ton pied là. Voilà. Oh my God. Dis-moi si je gagne le prochain que je vais te donner là, ça fait tellement rire que je ne sais pas ce que je vais vouloir faire. Guys, vous voyez flirting. Je prends x2. Guys. x3, x3, guys.